tous, je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé du son là, sur son ordinateur. Catastrophe. Alors, on a ici quelques invités. Hein, ça peut être sympa puisque aujourd'hui on a Eric. Eric qui fabrique en fait de Biogros. Bonjour Eric. Eric? Quelqu'un a laissé le son de la vidéo? Eric? Eric? Voilà. Tu as laissé le son de la vidéo? Du son là, sur son ordinateur. Voilà. Ah. Bonjour Eric. Alors, c'est toi le fabricant de Biogros? Aujourd'hui, on a Eric. Eric, Oui. il faut arrêter le son de la vidéo. C'est toi Arnaud ou bien c'est Eric? Alors, la vidéo n'est pas active, Patrick. Ah bah Eric, Ouais, maintenant je ne sens plus, alors c'est bien. comment de Oui. clan cave pas que vendre de vidéos, Eric. Voilà. Donc Eric, bah, tu peux peut-être te présenter. Donc fabricant de Biogros. Ouais, s'il te plaît. Oui, alors, c'est pas presque moi, mais je suis le vendeur alors. Ouais. Donc voilà, bon, Biogros, ça fait les bactéries, mais aussi pour l'aquariophilie. Eric, si tu laisses le son de la vidéo, ça va pas aller, hein, tu es complètement décroché, tu sais plus comment On te a rappeler. perdu Eric, Patrick. Ah, bon, bah, écoute, en attendant, Arnaud, 10 boules à zéro, comment Excusez-moi. vas-tu? Ben ouais, papy, écoute, ouais, voilà, boule à zéro pour ceux qui suivent Japan Koi. On avait lancé un petit défi sur la page. Il fallait voilà, partager à plus de 500 partages le lien vers notre petit webshop. Parce que tu sais, Patrick, qu'on a créé notre premier petit webshop ici pour la période de confinement. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit en tout cas aussi vite relevé ce défi. Parce qu'en moins de 24 heures, ben, les 500 partages ont été atteints. Et voilà, j'ai respecté ma parole et donc je suis passé sur le grill il y a moins d'une demi-heure et c'est le super coiffeur que vous connaissez tous qui m'a complètement raté. Mais Ouais, non, mais... Bien fait. voilà, Eric. Eric, maintenant tu me reçois en direct là. Oui, c'est mieux. Ah bon, Ah, si tu parfait. écoutes pas la vidéo, ça va pas aller. Alors tu peux peut-être Ouais. donner un peu plus d'explications sur ce que fait ton entreprise là. Oui, alors je suis responsable pour la vente pour Microbac Bioproduits en Hollande. Et une marque de nous, que vous connaissez bien, c'est Biogros. Et on va parler de Biogros dans cette manière. C'est ça. Alors, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites d'autre, par curiosité? Ah oui, alors on a, à part de Biogros, on a des autres bactéries et solutions à niveau de micro-organismes qu'on vend en Europe. Et c'est même pour système septique, pour de l'eau, de traitement de l'eau, dans la fabrication, tout ça. On a voilà, plein de solutions, mais de base, c'est toujours des bactéries et un produit qui marche bien. C'est ça, une longue expérience de la société sur ces produits. Ouais. Ah, exactement. Bon, ben voilà, alors ce que je vous propose, ben écoute Eric, j'avais encore quelques bouteilles de Biogros chez moi. Très bien. Et aussi, ben on va dire bonjour à Corentin, hein, parce qu'on l'a oublié lui, hein. Comment va Corentin? Impeccable. J'ai découvert en moi des talents de coiffeur aujourd'hui. Oui, je vois que tu l'as bien raté, hein. Donc, en plus de savoir bien traiter les os de nos petites chéries avec le bio-gros, je sais en plus coiffer maintenant. Ah, c'est ça, c'est Le ça. talent ne s'arrête plus. Non, il a trouvé son surnom, hein, Arnaud dit boule à zéro. Ouais, ça Patrick, je suis passé de C'est ça. Wagoi Bon, ben écoute, t'as bien bossé, Corentin, félicitations. Hein, bon, au prochain deal alors. Le prochain, c'est sans doute moi qui plonge tout nu dans le grand bac. Ah, bon, d'accord, ok. Ben, ça plaira Ouais. aux filles, ça. Donc, alors, Bon. ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite intro du Biogros. L'année passée, on avait fait deux vidéos.
de Biogros. Je mettrai sans doute après le lien, parce que je n'ai pas pensé à le mettre tout de suite, parce que je suis un petit peu surchargé pour l'instant. Vous savez, le problème de... Tu es surchargé ou bien tu vieillis ? Non, je suis surchargé, parce que le problème avec les femmes en général, elles font une liste. Et la liste, elle devient de plus en plus longue avec le temps, mais le confinement a accéléré l'allongement de la liste. Donc c'est une catastrophe, on n'arrive plus à suivre, nous les mecs, hein, donc c'est ça le problème. Hein. Donc ce que je vous propose, donc deux vidéos qu'on avait fait l'année passée sur deux bacs. Maintenant j'en ai fait une troisième, ce qui permettra, bah, pour ceux qui ne connaissent pas mon bassin, de voir un petit peu comment ça se passe chez moi aussi. Et je vais essayer de vous mettre ça en ligne, comme ça on peut commenter directement tout ça. Alors, je vais voir si je peux l'avoir. Voilà, ça va se lancer. C'est parti. Voilà, ça c'est le jour du traitement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour du traitement, c'était compliqué. Dans le sens où, je ne sais pas si tu vois bien, Arnaud. Là, Patrick, je ne sais pas ce que tu fais, mais on voit un truc bizarre. Il n'y a pas grand-chose à voir, si ce n'est que le skimmer. On voit ici que l'eau, mon eau était terriblement chargée. Et en finalité, voilà, ça c'était le problème. On voit passer un coil juste en dessous, on pouvait quasiment pas la voir, tellement l'eau était chargée. Alors j'ai commencé cette cure de Biogros dans de très mauvaises conditions, à savoir une température d'eau de 11 degrés. Donc ce qui n'est pas l'idéal, hein, puisque bon, il faudrait avoir une température un peu plus élevée. Là, on voit la situation de départ. Tu vois quelque chose, là, Arnaud ? Oui, on suit la vidéo en même temps sur un téléphone avec le petit délai de retard, évidemment. Mais là, on voit bien le tout, Patrick. D'accord. Bon, ben, donc, je ne sais pas. Peut-être qu'Eric peut nous dire quelle est la température idéale pour utiliser le Biogros. Oui, alors, toute façon, notre batterie, ils sont bien vivants. Ils commencent à être vivants entre 5 degrés déjà, mais ils sont plus forts et il va vraiment faire travail très très fort quand il s'échauffe vers 10 degrés, 15 degrés. C'est vraiment la température idéale. C'est ça. Jusqu'au 28 degrés comme de température de l'eau. Après, il y a toujours un fort visible. Après l'état des lieux, on va commencer à monter. Il travaille à mort. Pour je vais traiter les bassins ici. Voilà, ici. Biogros qui se construit. Qui est en fait. Quelle belle bouteille, non ? Trois conditionnements. Ici, on a le 3, puis le 2 et le 1. Alors, on peut les mettre de manière mélangée, ça n'a pas trop d'importance. Hein. Donc, ici, c'est un conditionnement pour 250 ml. Donc, le bassin ici fait 180 ml. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement réduire la quantité. Ici, c'est de 1 litre. Donc, 1 litre, il me faudrait un peu plus que 500 ml. Mais bon, on va voir l'Oscar du meilleur réalisateur, Patrick. Pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Ce gros plan, il est plein d'émotions. Donc voilà, alors je vais mettre ça dedans. Rendez-vous dans 2 jours pour voir un petit peu le résultat. Alors regarde un peu la dextérité dans la manipulation. Parce que bon, il faut savoir que quand on remplit un truc comme ça, gradué, il faut le maintenir à l'horizontale, tu vois. Mais... c'est pour toi, donc je dis ça spécialement. Maintenant que tu as la boule à zéro, ça va être compliqué. Hein. Voilà, la première bouteille. Comme tu as pu remarquer, mon coiffeur, lui, il est en vacances. Hein. On a vu. C'est Dieu qui a vu pour l'antenne. Oui, je n'en doute pas. Donc on le verse, bon Eric, on verse simplement dans l'eau, quoi. Oui. Voilà, on peut aussi mettre une partie dans le filtre, hein, si on le souhaite. Alors, pour donner les conditions de départ, donc j'avais dit 11 degrés température de l'eau, et on pourra aussi remarquer que, bon, j'avais fait préalablement le nettoyage du filtre avec l'eau du bassin,
Donc, ce qui a occasionné un changement d'eau d'à peu près 30%, hein, ce qui est quand même considérable pour ce bassin. Mais bon, malgré le changement d'eau et le nettoyage de filtres, comme vous avez pu le voir, l'eau était terriblement chargée et c'est compliqué à récupérer ça. Donc ça, c'est un jour après, donc un jour plus tard. Voilà, donc le traitement a été fait hier, donc 24 heures plus tard, on voit déjà l'évolution. Ici, je ne sais pas si on pourra le voir, mais bon, on peut déjà deviner la bombe de fond qui doit être juste derrière le 5e qui passe devant. Je vais essayer de voir si je peux m'avancer. Ouais, là, on voit pas encore très bien la bombe de fond. Hein. Ben, on consomme déjà une amélioration. Voilà. Il se trouve juste à l'arrière du chouchoui. Alors aussi dans les conditions de démarrage, évidemment, l'UV est coupé. Forcément, on n'introduit pas de bactéries avec un UV qui fonctionne. C'est toujours bien de le rappeler, Patrick. La tête du chouchoui. Ça vous laisse aussi l'occasion de voir mes poissons tout doucement. Hein, pour l'occasion de voir quelques-uns. Un beau chouchoui. Écoute, en retard. Ce que je peux vous montrer, c'est le skimmer. Ah ouais, je suis peut-être en retard. Mais ouais, nous, on suit le vrai live sur un téléphone à côté. Ouais, on va regarder sur l'écran de Patrick parce que sinon, on va commenter en retard. Oui, exactement. Il y a 30 secondes de décalage, hein, toujours. C'est un peu particulier en suspension, mais ça n'a rien à voir par rapport à hier. On vous rappelle, 24 heures seulement après l'introduction du produit. Donc là, on voit bien. On voit quand même bien une différence. D'un skimmer. Évidemment, avec un skimmer, c'est plus facile. Il monte à la surface. Et croyez-moi que sur une journée, ça fait quand même pas mal de crasses qui partent au niveau du skimmer. Donc vraiment un outil indispensable dans un bassin. Essayez de trouver. La bande de fond, qu'on devine. On devine faiblement. Enfin, ils ne vont pas trop faire, mais croyez-moi que... Je pense que papy, il a fait même 8 heures par jour d'action. Il va chercher des pains au chocolat parce que... C'est impressionnant. Eric, on finit demain à 8 heures du matin, le lac. Oui. Après, il y a eu des pains au chocolat, c'est tout ce qu'il faut, parce que... Ouais, voilà. J'appelle ma femme. Oui, ouais, on a un produit fantastique. Je reste là. Pensez une femme de plus ou de moins qui va vous détester. Je pense que. J'aime beaucoup ce qui va se passer voilà. Ici demain. Donc, ici, je m'appelle Jimmy Sayer, exactement 24 heures. Déjà la différence, c'est incroyable. Mais Eric, 24 heures, hein, 24 heures seulement, on voit quand même une solide différence. Ici, on est à le jour 2. Donc, après 2 jours, l'eau continue à s'éclaircir, hein, tout doucement. Ça améliore. Ouais, j'ai toujours pas mis mon UV en route. Donc, toujours pas d'UV. Pas d'UV. Et moi, je rappelle qu'on est quand même dans des conditions idéales. On peut constater quand même que l'eau est relativement claire. Et ça, simplement en 48 heures. Eric, peut-être pendant qu'on regarde ces images et qu'on voit un petit peu ici l'évolution au cours du temps, peut-être nous expliquer justement la première bouteille, l'effet de l'équilibre biologique. Voilà. Bon, je continuerai. Oui, alors, en fait,
les trucs avec BioGrow, on a les trois bouteilles, numéro 1, 2 et 3, évidemment. Et en fait, le premier, c'est bien pour l'équilibre de l'eau, comme tu as dit. Il y a des bactéries qui à la limite, ils produisent des enzymes, et des enzymes, ils vont attaquer tout matériel organique, si tu veux, dans le pont là. Et après un jour ou deux, tu vois déjà comme la vidéo là, il n'est pas bêtise là, il y a déjà un changement au niveau du qualité du lot. Et c'est bien, on a vu des ponts qui sont presque verts. Et après l'utilisation de notre produit, là, le premier bouteille, il y a un changement, comme on voit sur la vidéo, de qualité du lot. Et ça peut être très très rapidement, parce que le truc avec notre bactérie, tu imagines qu'il y a une bactérie, et après 20 minutes, il a trouvé à manger pour être reproductif, et alors il fait de l'une, il avait deux. Alors une va être deux bactéries après 20 minutes. Alors chaque 20 minutes, il fait un plus. Alors il fait à 2, à 4, à 8, et comme ça, il sert. Alors, il y a un effet exponentiel sur la de ces bonnes bactéries. Voilà. Et comme ça, il y a un changement visible très vite. Sinon, si c'est un montant de bactéries dans l'eau là, et ils ont quelque chose, mais il n'y a jamais un changement vite comme ça visible. En fait, numéro 2, c'est plutôt pour les nitrites. Alors, c'est toujours des bactéries, mais un mix. Il y a toujours des mix de bactéries. Il y a des familles de bactéries, des micro-organismes qu'on met ensemble. Et l'ensemble va lancer un truc comme ça, comme qu'il y a, l'une pour vraiment l'équilibre de l'eau. Les deux, c'est toujours pour nitrite. Alors quand tu vas, la pêche, il va manger. C'est plutôt la saison. Et quand tu vas commencer avec des poissons pour donner quand il va manger, alors là, c'est quoi ça? Alors, il commence aussi pour faire les exit du mange. Oui. Et si je ne me trompe pas, Eric, ce que tu disais, c'est que les bactéries nitrifiantes en elles-mêmes, donc celles qui font vraiment l'effet de décomposition de l'ammoniac et des nitrites, voilà. Ces bactéries-là ne peuvent pas être conservées en état dans une bouteille. Et donc, c'est un mix de bactéries qui va créer en fait des conditions dans laquelle, en présence d'ammoniac et en présence de nitrite, ces familles de bactéries, et si je ne dis pas de bêtises, sont les Nitromonas et les Nitrobactères, vont pouvoir apparaître et en fait vont créer justement l'équilibre biologique du filtre biologique. Voilà, c'est alors le 2 spécifiquement, c'est un cercle. Alors ça vient de ammonia à nitrate, nitrite. Alors s'il y a les deux phases de combustion, alors. Et en fait, notre bactérie, il va relancer, il va faire une plus fort cette cercle, si tu veux. Alors, avec les bouteilles, il y a moins souci avec des ammonia sur de l'eau et des nitrites à la fin, parce que ouais, il y a des valeurs de l'eau qui va créer aussi un malaise pour des pêches s'il y a plus ammonia dedans. Mmh. Et en fait, bouteille 3, c'est spécifique sur la terre. Alors il y a toujours le slap, le sludge, comment ça s'appelle en français, les bouts de fond, voilà. Merci. Et en fait notre bâti va justement attaquer ça et couper des petites parties, il va fixer, que c'est pas fixé sur la terre, mais il va couper des petites pièces, et les petites pièces, ils sont filtrés par le filtrage, et alors il va disparu après. Et ça, on le voit bien ici, puisque bon, j'avais filmé, on verra encore plus tard dans la vidéo. On voit bien que les particules deviennent de plus en plus fines. Ici, maintenant, voilà. Évidemment, on a remis l'UV en service. Bon, maintenant, il faut le temps, évidemment, vu la masse, que l'UV puisse travailler aussi pour la clarification de l'eau, puisqu'il y a une partie d'eau verte là-dedans, puisque ça fait quand même
un petit moment qu'on a des journées très ensoleillées, il y a énormément de lumière, et puis bon, ben, ça fait l'apparition d'eau verte, et là, évidemment, les bactéries ne peuvent pas tout attaquer. Ici, on voit bien la bande de fond, d'ailleurs, donc oui. Ça veut dire qu'on a un éclaircissement qui devient vraiment beaucoup plus rapide, et ça, quand même, au bout de quelques jours à peine, hein, on constate, on était quand même parti sur une situation qui est fort dégradée, on constate une nette amélioration de la qualité de l'eau, même s'il y a encore pas mal de particules en suspension, mais au fur et à mesure du temps, on voit vraiment qu'il y a une digestion qui se fait de toutes les particules organiques. Donc d'une part, elles sont, comme tu disais, coupées et elles se décomposent en poussière, on va dire, hein, c'est comme de la poussière, comme stoff. Hein, oui, donc, oui. Voilà. Et évidemment, cette poussière fait un petit peu un nuage qui fait que c'est moins tranquille. Ici, on voit bien dans le skimmer, les particules sont vraiment devenues toutes petites par rapport à ce qu'elles étaient au départ. Donc, oui. ça a été vraiment coupé. Et on voit l'évolution. Et je suppose que bon, ça va prendre encore du temps, mais ça va continuer à agir de cette manière-là. Et voilà, maintenant, le dernier jour, le jour 6, donc on est à moins d'une semaine, hein, voilà, vous voyez bien la bande de fond, là, hein, ce coup-ci, hein. On voit bien que sur 24 heures, la différence de la clarification de l'eau est quelque chose d'absolument incroyable, et on constate vraiment une clarification très nette. On voit d'ailleurs les plis de la bâche dans le fond. Tout est bien détaillé, donc il y a pas de problème. Maintenant, ici, ben, il faudra laisser autant le temps de clarifier à 100% l'eau, mais bon, on est quand même dans une situation, au bout de 6 jours, c'est quand même extraordinaire. Bien, entre-temps, la température a monté, j'ai pas mesuré aujourd'hui, mais on doit être vers les 16-17 degrés. Donc ben, là, ici, on peut voir un de mes esturgeons, hein, qui font plus d'1,20 m, là. Donc, on voit quand même que ça a fortement évolué dans le bon sens. On a vraiment une eau qui devient vraiment intéressante. Ce que vous voyez, les petites taches blanches sur l'eau, c'est simplement des pétales de fleurs, parce qu'il y a plein de floraisons dans la forêt, et il neige des pétales de fleurs, hein, pour l'instant. Donc, et voilà, il suffit qu'un petit peu de vent, et ça y est, c'est la catastrophe. Mais voilà, on a quelque chose d'assez extraordinaire qui fonctionne très bien et très rapidement, en somme. Et bon, les essais préalables qui avaient été faits avec le BioGrow sur des bassins, je dirais, assez chargés aussi, ont révélé des résultats très similaires. Donc, je veux dire, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, est-ce que... Oui, retour qu'on a des utilisateurs... sont très très bons au niveau du BioGro. Donc nous particulièrement, je peux te dire qu'on est assez confiant sur le produit, et puis ben on a pu, comme tu le dis, démontrer déjà l'efficacité à plusieurs reprises. Ben voilà, ça c'est une image que j'aime bien, tiens, parce que bon, ici on voit bien de nouveau le skimmer, les particules sont vraiment devenues très 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 petites, hein. C'est bon qu'il y a beaucoup de soleil qu'on peut arriver à la filmer, sans quoi il y aurait un petit nuage, on le verrait plus, et puis bon, mais on voit quand même que l'évolution est constante d'un jour à l'autre. Donc, et cette image-là, ben, je la dédie à David de Normandie-Coy, hein, qui a dit qu'on n'a jamais vu de l'eau claire dans mon bassin. Eh bien, David de Normandie-Coy, je t'emmerde, voilà la preuve qu'il y a de l'eau claire dans mon bassin. Et puis, hein, donc, qu'on se le dise. Maintenant, bon, voilà, il n'y a pas de BioGrow chez Normandie-Coy, c'est bien dommage. Je te conseille vivement ce produit, au moins tu vas rendre des gens heureux avec. Voilà, ça c'était la vidéo de présentation. Je préciserai que, de toute façon, ben, cette vidéo, je la referai sous un autre format, et avec d'autres explications, pour la sortir du live en réalité, hein, et voilà quoi. Donc, en tous les cas, Eric, ben, félicitations, parce que bon, c'est la troisième vidéo que je fais avec le BioGrow. Alors les deux premières vidéos m'ont déjà vraiment laissé, comme on dit vulgairement chez nous, sur le cul, hein, tellement que le produit agit vite, hein, oui.
C'est vraiment extraordinaire. C'est certainement le meilleur produit que j'ai jamais pu essayer depuis que je fais des bassins pour la clarification de l'eau et le démarrage d'une filtration. Parce que bon, comme tu dis, ça commence à 5 degrés, ce qui est extraordinaire. Parce que bien souvent, ouais, les autres produits, il faut attendre 15 degrés avant d'avoir une action réelle. Et puis, il faut encore attendre 2 ou 3 semaines avant d'avoir vraiment des résultats. Ici, on le voit en 6 jours, c'est vraiment fantastique. Donc, félicitations pour ce produit. Voilà. Que je recommande vivement, hein, pour tous ceux qui veulent faire un nettoyage. Bon, je suppose que ça contribue aussi au nettoyage du filtre, Eric. Oui, à la fin, oui. Il faut, parce que j'ai vu une question aussi pour amener les bouteilles sur de l'eau directement. Ça, c'est bien. Mais aussi pour la filtre. Alors, une demi-bouteille sur de l'eau et une demi-bouteille sur le filtrage, mm-hmm, sera aussi possible. Parce que à la limite, il faut avoir des bactéries sur le filtrage et sur de l'eau. C'est ça. Donc, un truc bizarre avec ta caméra, t'arrêtes pas de zoomer sur moi. Et même dans le vrai live. Hein. T'as une grande tête, là. Ouais, ça. C'est un complot parce qu'il coupe ma tête, hein, c'est ça, en fait. Écoute, on remerciera Skype de laisser l'opportunité de faire cette petite conférence. Et oui, puis, voilà. C'est Skype qui fait les zooms et les machins. Moi, je touche à rien, donc je suis pas mal. Ah oui, exactement. Et on ne te voit plus, Patrick. Quoi? On ne te voit plus, nous. C'est pas nécessaire de me voir, hein. Non. C'est aussi simple que ça, hein. Si tu veux me voir, je peux te montrer, hein. Regarde, hein. Oui, coucou! Ça y est, tu me vois, là? C'est quoi? Enfin, voilà. Donc, quelque chose à rajouter, Eric, par rapport à cette gamme de produits? On a trois types de BioGrow. Ils sont toujours avec les trois bouteilles. Il y a une pour bassin de 25 litres, voilà, c'est bien montré là. Oui, 25 000 litres, oui, bien 25 000 litres, c'est un peu... 25 000 litres, excusez-moi, oui. Et alors avec une couleur, c'est quoi, vert là? Vert. Voilà. Et en fait, il y a un autre à 100 000 litres, et c'est plus... C'est orange, c'est ça, ouais. C'est ça, bon. Bon, voilà. Ouais. Et on a un autre. 250 000 litres. Voilà, 250 millilitres. Alors, je veux quand même insister sur le fait que moi, j'ai utilisé le 250 millilitres, d'accord, voilà. Attention, c'est pas tout, pour un bassin de 180 millilitres et j'ai utilisé que 50% de la bouteille, de trois bouteilles. Donc, ce qui veut dire que j'étais en sous-dosage par rapport à ce qu'il aurait fallu mettre normalement. Bien sûr, si j'aurais mis la dose exacte, j'aurais encore accéléré un peu plus le mouvement. Ouais. Ouais, d'habitude, notre expérience avec beaucoup de clients en Europe, ils disent après 2 jours, ils voient déjà une différence. Et après, bon, ça dépend du condition, ça dépend du pont, ça dépend du personne qui, comme Patrick, dans quelle manière il a utilisé ça, tout ça. Mais en général, après 2-3 jours, il doit être une différence. C'est ça. C'est vrai. Bon, voilà, on va essayer de... Ah, ça y est, t'es revenu, papy. Ouais, voilà. Mais il n'y a que vous qui me voyez. Donc, donc moi, je l'ai constaté en tous les cas, après 48 heures, une nette amélioration de la qualité de l'eau. C'est-à-dire que sur les deux vidéos précédentes, on ne voyait pas du tout le fond du bassin. Et après 48 ouais. heures, on voyait le fond du bassin. J'ai pas dit que l'eau était parfaitement claire. Mais ouais. bon, sur 48 heures, déjà, l'évolution était quand même magistrale. Donc ça ne fait que confirmer ici, vous l'avez vu, c'était une petite vidéo sur 6 jours, et en réalité, bon, au bout du 6e jour, déjà 48 heures sans UV, et puis après l'UV complémente un petit peu, puisque bon, tout ce qui est algues unicellulaires ne sont pas trop affectés par la bactérie, donc il faut l'UV impérativement pour finir le travail. Donc ça c'est une bonne chose. Alors bon Eric, le même principe, c'est aussi un conditionnement en 3 bouteilles pour les aquariophiles? Oui. Donc c'est le même principe en fait. Oui. Il y a qu'une différence entre le montant de bactéries dans les bouteilles si tu veux. Mm-hmm. Et alors c'est le même principe, 1, 2, 3, même mix.
mais c'est plus fort pour une bassin qui est plus gros, c'est ça. Parce qu'on aime bien avoir un résultat après quelques jours. Et c'est possible de mettre une 25 millilitres dans un gros bassin, mais ça prend peut-être 2 semaines pour voir la différence. C'est ça. Alors, peut-être une question aussi qui est importante, parce que bon, il y a certainement beaucoup de gens qui se poseront la question. Quand on a ouvert les bouteilles, ici, mon cas, j'ai ouvert les bouteilles pour y mettre la moitié dans le bassin, on peut garder, on referme le bouchon, bien sûr, on peut le garder dans quelles conditions et combien de temps? Le mieux c'est de mettre ça dans une place qui n'est pas vraiment allumée. Ouais, alors on peut voir ou quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, la température c'est comme des bactéries. Ils sont vivants. Il faut faire un minimum de peut-être 10 degrés ou quoi, pas moins. Mmh. Et pas plus de 28 degrés. Alors entre 10 et 28 degrés. Et quand il y a un chauffage, si tu oublies de mettre, je ne sais pas où, à l'extérieur, pour mettre dans une casque ou quoi, si il y a un chauffage entre la batterie, il sera toujours vivant, mais moins actif. Quand il y a un changement de température vite, pendant un jour, par exemple. C'est ça. Alors, et ça, c'est le seul souci. Les bouteilles peuvent utiliser toute l'année quand c'est déjà utilisé une première fois. Après, c'est pour la saison, hein, y a pas de souci. Ok. Bon, ça c'est important quand même à le signaler, puisque bon, moi ce que je conseillerais, quelle est la fréquence à laquelle on remet des produits, on remet ça tous les combien de temps à peu près pour maintenir le bassin? Bon, je peux dire tous les jours, hein, mais bon. Non. Non, aussi ça dépend du pont, du qualité de l'eau, tout ça. Et ça dépend du pêche, ça dépend de combien il va faire le caca sur de l'eau. Mm-hmm. Alors, je peux pas dire oui, tu dois utiliser chaque mois. Mais Arnaud a d'expérience avec tous ces clients-là. De manière générale, ce qu'on conseille à Eric, c'est de mettre la dose complète, hein, donc concentration qui est indiquée sur la bouteille pour la phase de démarrage, et puis ouais, tous les mois, de remettre une demi-dose en phase de maintenance. Et effectivement, on voit que tous les gens qui respectent ce dosage-là ont une action qui est continue et qui reste de qualité sur le long terme. C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que, bon, en finalité, il y a moyen d'acheter des plus gros conditionnements et de diviser un petit peu par rapport à son volume. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Ouais. Donc, et c'est mieux d'utiliser des bactéries en général préventives que réactives. Oui. Alors, s'il y a un souci, c'est bien d'utiliser des bactéries, mais bon, il faut faire une remise à zéro. Alors, pour vraiment faire un nettoyage de tout, et commence à zéro, parce qu'il y a, on commence, notre philosophie, c'est un gros pont, un bon pont là, il faut du l'eau, bien sûr, des bactéries et du filtrage. C'est ça. Donc, voilà, donc, tout ça est relativement facile à utiliser, je dirais, et puis voilà, mais non, n'oubliez pas, vous pouvez avoir des conditionnements comme moi j'ai mis ici 250 millilitres. Ça veut dire que bon, ça fait quand même un paquet de traitements. Ça fait pratiquement une saison pour un bassin qui fait par exemple 50 mètres cubes. Hein. Voilà. Donc vous avez intérêt à calculer un petit peu en fonction du volume de votre bassin, qu'est-ce qui vous convient le mieux pour avoir la bonne solution et puis vous diviser. Bon, le tout est de connaître le volume de son bassin, bien sûr. Hein, ce qui n'est pas toujours évident, n'est-ce pas, monsieur Arnaud? De toute façon, il n'y a pas de risque de surdose avec des bactéries. Hein. Ce qui veut dire pas mourir, mais il n'y a aucun risque, en tout cas, de surdoser ce produit. C'est ça. Voilà. C'est pas comme certaines autres bactéries qui, hein, comme par exemple le corona qui est beaucoup plus emmerdant. Quand on surdose, en général, on reste dedans. Enfin, bon, c'est une autre histoire. Donc, comme quand ils confondent une bactérie et un virus. Ouais. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire, hein, un virus en wallon, hein. C'est ce que ça veut dire en wallon, un virus, hein. Ouais, c'est dangereux, hein. Ouais. Bon. Alors, monsieur Arnaud, est-ce que vous avez le chat en vision?
évidemment. Yes. Bon, yes, on pourrait peut-être commencer par le dessus. Bon, tous les bonjours, je crois qu'on va tous les passer parce que hein, ça fait beaucoup de bonjour, des saluts, des machins. Bon, bonjour à tous, pour tous ceux. Hein. Bon, on va essayer de trouver... Alors, il y a Bernard Sébastien, Biogrom hier soir dans deux bassins en attente des résultats. Ben écoute, tu verras, Dominique, Bernard, crois-moi que ça va décoiffer. Un petit peu comme Arnaud. Je ne sais pas te parler trop de décoiffage aujourd'hui ou de décoiffer. Bon, je vous signale que... Je voulais la même coiffure que Eric. Ouais, c'est ça. On est bien. Alors, je signale que Corentin fait des prix de groupe pour les boules à zéro, hein, qui est du grand spécialiste dans la matière. Donc voilà. Alors, de qui encore? Petite question pour notre ami Japanco. En ce moment, vous pouvez expédier en France? Non, pas pour l'instant. Et les poissons, non. Les poissons, pas les poissons. Oui, ça dépend s'il parle de coil ou de produits. Les produits, on expédie beaucoup en France. Et les produits de soins, les produits de bactéries, le biogros, tout ça, il n'y a aucun problème. Ça envoie de la santé de vos poissons, donc c'est une priorité, c'est important. Maintenant, pour l'envoi de poissons, pour l'instant, c'est bloqué. Donc, voilà. L'envoi de poissons, okay. Mais matériel. Ouais. Jusqu'à maintenant, on se débrouille pour suivre ça et on a notamment envoyé pas mal de biogros d'ailleurs en France la semaine dernière. C'est ça. Alors, tiens, peut-être l'occasion chez qui on peut trouver le biogros? Parce que finalement, le biogros a commencé l'année passée, hein, je crois que les premiers contacts de l'année d'avant, hein, avec la société. Et puis, il a fallu mettre tout ça en route et trouver la bonne solution pour lancer cette gamme de produits qui existe déjà depuis longtemps en Hollande, par exemple. Hein. Je crois que ça fait quelques années que vous vendez ça en Hollande. Oui, c'est à peu près 15 ans qu'on a vendu le produit. Mmh. Et c'est très, très fort distribué en Allemagne, avec de grosses quantités. Mais comme j'ai expliqué avant, on a une société qu'on a des solutions bactéries pour... dans les autres marchés, alors, pas seulement pour les coils, là. On n'a pas concentré, évidemment, sur le marketing et le push de nos produits. Et en fait, on a fait la collaboration avec Japon Coil. On a commencé, ça fait plus d'un an, pour pousser nos produits, parce que, comme vous avez vu, c'est très bien produit, mais il faut des attentions, alors, parce que... Ouais. Et ça, on travaille ensemble là, et je cherche une distribution pour l'Europe, on travaille dans les autres pays, et en Hollande, on a un distributeur, on a vous comme la partie française en Belgique, ça bouge bien, et aussi pour la France, vous aidez bien pour nous. Voilà, donc voilà. C'est toi Arnaud avec Corentin qui disent qui fait le grossiste en fait pour ce produit-là. Tout à fait. Donc voilà, tous les pros qui seraient avec nous aujourd'hui et qui souhaitent bien distribuer du biogros à leurs clients, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil et vous serez livrés très très rapidement. Et d'ailleurs, il y a déjà quelques endroits, Patrick, où on peut trouver du biogros en France, notamment bien du côté de Lyon chez Nicolas Segaf que je salue au Jardin Aquatique. Et alors, depuis récemment, chez Arcane, également chez Patrick, au salut. Patrick Richert, il y en a aussi chez Hydrocoil, je pense. C'est ça, aussi chez Hydrocoil. Et alors, il y en a d'autres qui sont sur la liste et qui vont en avoir d'ici très peu de temps. Voilà, donc vous renseignez un petit peu, sans quoi, vous pouvez toujours le faire par VPC, puisque bon, c'est toujours possible d'expédier du produit via VPC forcément. Hein, donc, mais voilà, mais normalement ça devrait s'étendre assez rapidement parce que bon, les résultats sont quand même stupéfiants sur ce produit. Alors, on va dire Derek, bonjour à tous. J'ai mis la semaine dernière des bactéries bactogènes. Est-ce que je peux mettre en prévention un comprimé de Super Top 20 grammes ce week-end et mettre du biogros la semaine prochaine? Il n'y a pas de contre-indication avec le bactogène et le biogros. De toute façon, c'est une autre bactérie. Bactogène, j'explique pour Eric.
Hein, mais il n'y a pas vraiment de contre-indication là-dessus. Le Super Tab, ben, évidemment, ça va simplement activer l'oxygénation du bassin, etc. Donc, la dégradation. Le Super Tab, par contre, permet de faire une diminution de la pression bactérienne. La pression bactérienne, c'est quand on a des attaques bactériennes sur les poissons, et ça, c'est plutôt sur les anaérobies qu'on parle. Oui. Ça n'a pas d'incidence tellement sur le bactogène et certainement pas sur le biogro non plus. Donc, ça ne devrait pas poser de problème, mais je vois pas fort l'intérêt. Moi, je pense que tu peux sauter l'étape Super Tab et aller directement sur biogro. Ça va t'aider beaucoup plus. Sachant que, en fait, on diminue la charge dans le bassin, forcément, que ça va aussi aider, je veux dire, à la filtration et à tout le reste. Donc, à la dégradation de tout le système. Donc, de Coflori, vous pensez que je peux mettre un filtre à sable de piscine sur un bassin de 10 mètres cubes? Alors là, je te le déconseille fortement, parce qu'un bassin à sable va se colmater directement. Un filtre à sable va se colmater directement, même avec de très fines particules. Il va falloir une très grosse pompe pour le faire fonctionner, parce que ça demande une très grosse pression, et en plus ce sont des filtres qui fonctionnent pas très bien. Ça fonctionne mécaniquement mais pas terrible en biologie, et il faudra certainement le nettoyer une à deux fois par jour. Donc c'est pas gérable les filtres à sable sur un bassin. Alors voilà, Sébastien, Patrick, ben ouais, ça se fait. Jérémy, bonjour à tous, erreur de débutant, j'ai un skimmer Superfish 3000. Que pensez-vous si je ramène la sortie avec un tuyau de 25 jusqu'à mon filtre à gris? Merci. Un tuyau de 25 sur un filtre à gris, ça me paraît très 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 petit. Hein. Le plus petit diamètre qu'on utilise, nous, en général, c'est du 50. Oui, mais à mon avis, il parle d'un plus, hein, le Skimmer en plus sur le filtre à gris. Oui, mais avec un tuyau de 25? Oui, il n'y a pas grand-chose qui va passer. Donc... à mon avis, c'est pas une bonne idée. Il faudra au moins du 32, voire du 50, même du 40, ça va être juste. 40, c'est le minimum du minimum. 25, c'est beaucoup trop petit. Alors, vous pensez que je peux mettre un filtre à sable? Ça, on l'a répondu. Alors, 75, je pense qu'un filtre à sable va très vite colmater, exactement. Alors, Elliot, il me faut des cubits de combien de litres contenant du tapis japonais uniquement pour filtrer un bassin de 10 mètres cubes? Ben, avec un seul cubit, c'est suffisant, je pense. 10%, c'est la règle générale, hein, 10% de biologie par rapport au volume du bassin. Voilà, un cubit avec le tapis jap, plein de tapis jap, ça devrait très bien le faire avec pour Elliot. Alors, de Gilbert, bonjour à tous, faut-il mettre trois sortes en combien de temps? Les trois sortes. Moi ici j'ai fait le test, Eric. Moi j'ai mis les trois bouteilles en même temps. Je veux dire, le temps de mesurer 50% et de les mettre dans le bassin. Voilà, c'est ouais. Ça. Ça a été fait en même temps. Il y a une autre preuve. Oui, d'habitude on met tous les trois en même temps. Et on a des clients qui commencent, si c'est déjà froid, si on parle du mois passé, à février, mois de février. Pour le bout du fond, on peut mettre déjà les trois, seulement les bouteilles trois, pour déjà faire un peu de truc pour nettoyer ce truc-là. Alors, c'est une option, hein, c'est pas nécessaire, mais il y a des clients qui font ça aussi. Alors, ils commencent avec les trois au bout de saison, et après, ils font une des trois tout ensemble. Le chagrin, même les filamenteuses se décollent. Oui, elles vont pas se décoller à proprement parler, mais elles vont se décomposer. Alors, moi, j'ai pu le constater. Chez moi, j'avais pas de filamenteuse qui était vraiment installée, je dirais. Mais tout ce que j'ai pu voir arriver dans le skimmer comme filamenteuse, c'était impressionnant. Donc, et au fur et à mesure du temps, c'est ça qu'on retrouve en fait avec le temps, c'est que toutes ces particules se décomposent vraiment en poussière. Donc, qui trouble un petit peu l'eau, parce qu'il faut le temps que, après, ces poussières vont être encore découpées, et puis ça va devenir de plus en plus clair. Mais, voilà je ne parierai pas sur le fait que ça va vraiment décoller les filamenteuses, ça c'est un autre débat. Mais bon, voilà, normalement, si votre eau était chargée comme la mienne, des grosses filamenteuses, vous ne devrez pas avoir beaucoup.
parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive jusque là où elles doivent arriver. Enfin, ça c'est un autre débat. Alors, résistance, blablabla. Ouais, enfin bon, ça c'est encore un qui a trouvé la poudre. Alors, Rick, après un traitement de FMC 50, faut-il réensemencer le filtre? FMC, ouais, il va falloir réensemencer le filtre. Parce que les... Quoi? C'est conseillé. Mon avis, le FMC, tu perds 25 à 30% de bio. Oui, ça dépend quelle dose il a mis de FMC, hein, parce que bon, avec un, moi j'en ai connu qui ont non seulement flingué le filtre, mais les poissons avec, hein, donc FMC, oui, il vaut mieux remettre des bactéries par la suite. Ouais. Alors, Caragis 62, salut à tous, paramètres bons, mais beaucoup d'écume au petit matin, des retours sous l'eau, sous la surface des filamenteuses en décomposition, peuvent-elles en être la cause? Non. Alors, l'écume, c'est le scum of the water. L'écume, en fait, c'est quoi? C'est simplement une surcharge du filtre et des variations de température qui font qu'on a cette écume qui se génère. Alors, d'une part, là, par contre, on devrait avoir une amélioration du scum et du gravel virtuel et mettre du product. Donc normalement, ça devrait améliorer la situation en utilisant le bio-gro. Ouais. Hein, oui. Donc on va avoir cette écume qui va disparaître avec un peu le temps. Combien de temps pour ouais. Aussi en quelques jours ça va disparaître ou il faut un peu. Oui, plus. Ça dépend du quantité sûrement, mais après quelques jours, il voit déjà un changement, ouais. Ouais, donc ça aide vraiment. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ben ça va réactiver le filtre déjà pour commencer, et puis voilà, donc c'est un déséquilibre, c'est-à-dire un filtre qui ne fonctionne pas bien, qui donne cet effet-là d'écume. Oui. Et voilà. Donc c'est évidemment un apport de bactéries est salutaire pour éviter ça. La nature nous donne tout pour avoir de l'eau, une eau claire. Ben non, ça c'est faux, ça par contre. Hein, résistant. Non seulement t'as inventé la poudre, mais en plus t'es un débile mental profond, t'as rien compris. Bon, alors, suivant. Chagoy, idem pour moi, Kerachi 62, j'ai aussi de l'écume le matin. Ben on a répondu, hein. C'est un déséquilibre dans tout ce petit monde-là. Alors, tu peux m'aider, hein, notre ami Arnaud, là, hein, parce que moi, j'arrive plus à suivre ici, hein. Ah, ça te fait marrer, toi. T'as jamais réussi à suivre. Hein? T'as jamais réussi à suivre. Exactement. Alors, on peut utiliser une seule bouteille, la 2, pour les nitrites et ammoniac? Ouais, parce que ça, c'est spécifiquement, les 2, c'est pour ce truc-là. Mmh. Alors, mais c'est dommage parce que le 1 et le 3 avec les deux ensemble fait alors le package total. C'est ça. Alors ouais, c'est pour ça on vend 1 2 3 et pas on vend pas que bouteille 2 et que 3, c'est dans le package de 1 2 3. Moi je pense que pour Dominique l'idée c'est de dire quoi, tiens, j'ai tout d'un coup une montée de nitrite, est-ce que je peux solutionner ma montée de nitrite avec le bio-gro? Oui, bien sûr, ça sûrement. C'est ça. Donc on va travailler sur l'ammoniac et le nitrite, ce qui est logique, puisque on ne sait pas avoir de nitrite si on n'a pas eu d'ammoniac avant. Donc voilà. C'est pas possible. C'est bien ça. Alors, de Cindy, bonjour tout le monde. Après combien de temps on peut utiliser BioGro suite à un traitement Omnipure? Alors Omnipure, monsieur Arnaud. Répondre? Yes. Après. Alors. Moi, je conseille toujours de faire un changement d'eau quand même d'une vingtaine de pourcents au moins après le traitement Omnipure. En général, le traitement Omnipure, c'est un produit qui s'approche fort de l'anti-mix, hein, de Martin Lamens. On traite pendant 4 jours pour parasites, Costia trichodine, par exemple. Maintenant, si c'est du pois blanc, il y a plusieurs traitements. Soit, en tout cas, après le dernier traitement, changement d'eau de 20% avant de remettre le bio-gro. Après, vous pouvez le mettre une fois que vous avez fait ça. Pour moi, il n'y a aucun souci. Et ça va relancer, justement, ça va aider votre filtre à se relancer en sortie de traitement. C'est ça. Alors, pour Gilbert, à la place d'autres bactéries, style les Cotrides, c'est un produit qui existe depuis très longtemps, qui fonctionne bien, mais qui n'a pas de résultat équivalent à ce qu'on fait avec BioGro. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, les Cotrides, tu dois connaître aussi, Eric, sans doute, sur le marché hollandais. Voilà. C'est voilà. Un produit qui existe depuis plus de 20 ans, hein. Donc, ouais. Ouais, qui est, le temps que nous. Ouais. Voilà.
et qui, ouais. qui a connu un très grand succès à un moment donné et qui est beaucoup moins distribué aujourd'hui. Mais ouais. de toute façon, l'écotrite est un très bon produit, mais le biogros va encore vachement plus vite et beaucoup plus loin dans le traitement de l'eau du bassin. Il n'y a pas photo entre les deux. Et ça, je peux en parler parce que j'étais un utilisateur d'écotrite, donc voilà. je connais bien. Voilà. Tu as l'expérience. Ouais. J'ai l'expérience. Ben, j'ai l'expérience de pas mal de produits parce que j'ai essayé. Oui, j'essaie. Ouais. Le mieux, c'est encore le meilleur système pour se faire une idée sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc, par exemple. Ça entend avoir un bassin, Patrick, tu peux tout utiliser. Ah ben écoute, une chose que j'utiliserai pas, c'est ton coiffeur, par exemple, tu vois. Il est terrible. Alors, on peut remettre les UV combien de temps après le traitement de l'eau? Enfin, ici, moi, j'ai remis les UV 48 heures après. Hein. Donc, je veux dire, on peut le faire peut-être plus tôt, mais c'est un peu dommage parce que bon, on a intérêt à ce que, en fait, les bactéries je veux dire, aérobie, mettent un certain temps avant de se fixer quelque part. Eric. Bon, à la limite, ouais, il faut être température, tout ça, mais il va commencer tout de suite. Ouais. Alors, et s'il y a un traitement de l'eau, ouais, c'est préventif. Notre philosophie, c'est de mettre les bactéries préventives, c'est-à-dire, ouais, si tu fais le traitement de l'eau, il y a de nouveaux lots dedans, le filtrage est bien éclairé, tout ça, on peut commencer avec des biogros. Ouais. Alors, en début là, il n'y a pas un temps être, c'est quoi ça, là, pour le UV, oui, c'est bien de 24 heures, c'est bien, ça suffit. Après, voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai attendu 48 heures, pour être sûr. C'est bien. Voilà. Ouais, mais c'est bien, ouais. Faut pas oublier une chose, que moi, je suis parti quand même avec une quantité de biogros qui était inférieure à ce que j'aurais dû mettre normalement. Donc, ouais. C'était pour montrer un petit peu l'efficacité, parce que j'aurais pu faire l'inverse. Et évidemment, ouais. J'aurais pas attendu 6 jours, j'aurais attendu peut-être 3 ou 4 jours, peut-être. Ouais. Mais bon, l'idée, c'était de montrer vraiment un résultat en sous-utilisant le produit. Donc, ça ouais. fonctionne quand même, et en démarrage, avec ouais, un même. Démarrage et une température ouais. de 11 degrés, c'est ouais. pas énorme quand même. Hein, donc, voilà. Ça, c'est la réponse. Ouais, ouais, si tu fais le calcul, la demi-partie est 6 jours pour voir vraiment une différence, peut-être après 3 jours avec le dosage normal. Mmh. Ouais, voilà. Je pense, 3 jours. Ok. Alors, de Cédric, Cédric souhaiterait avoir une petite mèche d'Arnaud. Corentin. Je vais mettre les mèches sur le webshop. Mais c'est Cédric qui va prendre. Si on fait un colis Cédric, ça va, on mettrait une mèche d'Arnaud dedans, dans un petit plastique. Bon, ben, je te conseille quand même de faire un traitement avant pour enlever les poux et autres bestioles qu'il y a dedans, hein, parce qu'il est vachement parasité, lui. Hein. Ouais, c'est trop beau, alors je te donne un pack de biogros, vous recevez une mèche. Voilà pour 24 heures. C'est ça. Alors, de Sébastien. Alors, bonjour à tous. Je vais mettre mon bassin en eau cette semaine. Nouveau bassin, 30 mètres cubes. Au bout de combien de temps dois-je ajouter du biogros? Donc, un nouveau bassin, 30 mètres cubes. Après combien ouais. il vient mettre de l'eau dedans. Après combien de temps? De l'eau. Ouais, au début, quand il commence, alors, c'est tout nouveau, mettre ça dedans. Alors, maintenant. Ouais. Donc, il ouais. peut commencer avec le biogros. Pas de problème. Ouais. Ouais. Un petit peu juste pour l'évaporation du chlore, éventuellement. Peut-être ouais. Quelques jours, parce que en France, en Belgique, il y a pas mal de chlore dans les autres villes. Donc peut-être attendre 2-3 jours pour mettre le biogros. Ah ouais. Au début, mais juste attendre l'évaporation du chlore pour. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, ça, c'est une recommandation générale, hein, c'est pour n'importe quel truc. Hein. Alors, résistant, qui est de retour, il y avait longtemps. Dommage que je ne peux pas mettre une vidéo mon bassin qui fonctionne naturellement sans rien. Je vous ferai voir mon eau claire, pas d'écume, pas de plantes, un lagunage. T'as sûrement pas de poissons, tu leur donnes pas à bouffer, t'as pas de pompe et t'as pas de raisonnement parce que des mecs comme toi, j'en ai connu beaucoup, hein, et ils se sont tous plantés la gueule, tu feras pas une exception parce que tu es vraiment un connard. Point barre. C'est clair, et je ne te réponds plus. Bon, tu me casses les couilles. Ça, c'est clair aussi, ça. Parce que c'est quand même rien faire.
Alors bonjour, que rajouter après un changement d'eau? Merci. Que rajoutez-vous après un changement d'eau? Après un changement d'eau, il n'y a pas forcément quelque chose à rajouter. Ici, on a parlé avec le Biogro qu'on peut faire un entretien à mi-dose, je veux dire, une fois par mois, alors que bon, les changements d'eau, c'est une fois par semaine, ou voire en continu. C'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre tous les systèmes, quoi. D'accord avec ça, Arnaud? Attends, Patrick, j'étais en train de lire les trucs. Oui, mais bon, tu lis pas vite, hein. Donc, je dis, après un changement d'eau. Oui. Attends, parce que c'est maintenant moi qui ai perdu, hein, le fil. Oui, bon, oui. Après un changement d'eau, qu'est-ce qu'on rajoute dans l'eau? Rien. C'est un changement d'eau. Donc, soit on fait un changement d'eau une fois par semaine, soit on le fait en continu. Mais bon, il n'y a rien de spécial à rajouter à un changement d'eau. Ouais. Ça ne trouble pas l'équilibre du bassin, c'est simplement l'objectif principal d'évacuer un peu les nitrates qui, si on n'a pas de plantes dans le bassin, ben, ne vont pas s'évacuer naturellement et puis permettre le renouvellement à ce niveau-là. Et donc il n'y a rien à rajouter de spécifique quand on fait un changement d'eau. C'est ça. Alors, chez Nico, chez Enzo Argentino qui nous dit ça, à tester ce produit. Alors, ben oui, teste-le, tu verras, tu ne seras pas déçu. Karachi 62, après un traitement antiparasitaire en présence de filamenteuses, combien de temps attendre pour utiliser du BioBooster? Ben, le BioBooster, on peut l'utiliser n'importe quand, ça n'a pas vraiment de problème, ça. C'est un autre produit qui sert à enlever les algues. Et puis bon, voilà, c'est un produit à base de peroxyde qui déstabilise le pied de l'algue, et puis voilà, ça on peut le faire directement. Donc, pour le 1985, bonjour les amis, le Biogro agit sur les algues filamenteuses aussi? J'en suis envahi, malheureusement. Alors Eric, est-ce que ça agit vraiment sur les algues filamenteuses? Bon, c'est pas une solution pour les algues. Le seul truc, c'est que notre bactérie, il mange la même matériel organique que les algues. Alors, il fait un peu de compétition avec des algues quand il va bousser vraiment. C'est ça. Mais quand il y a UV, quand il y a vraiment une température qui va augmenter, bah, on va faire la guerre et on va perdre. Notre bactérie va perdre la guerre avec des algues, de toute façon. C'est pas contre les algues. C'est ça. Bon, on va garder le BioBooster, qui n'est pas contre-indiqué de toute façon avec le BioGro, puisque bon, comme j'ai dit, ça va faire monter le taux d'oxygène dans le bassin, qui est une bonne chose pour les bactéries. Donc, c'est pas un gros souci. Et surtout, quand on a utilisé un antiparasitaire, on a intérêt à remonter, je vais dire, le taux d'oxygène. Donc, il n'y a pas de souci vraiment avec ça. Alors, un cubi de combien de litres pour 10 mètres cubes? Eh bien, Lyot, un cubi, c'est toujours 1000 litres, donc c'est pas difficile. C'est un cubi pour 1000 litres, donc pour 10 mètres cubes, c'est largement suffisant. Voilà. Quelque chose à rajouter, monsieur Arnaud? Non, parfait, 10%, donc on a les 10%, c'est parfait. Donc, un cubi pour ces 10 000 litres, ça sera parfait, Patrick. Peut-être simplement rappeler les bons tuyaux pour les cubis. Ouais. Pensez à faire une vanne de purge correcte, hein, pour pouvoir purger, laisser une zone de purge dans le bas du cubis et alors bien aérer les tapis qui sont présents dans le cubis. C'est ça. Alors, Doric, j'ai mis 400 ml de FMC 50 dans le bassin de 10 mètres cubes avec 5 Nissei. Après combien de temps on peut réintroduire des bactéries? Merci. Comme je disais tout à l'heure, hein, faire un petit changement d'eau de 20% et puis après vous pouvez y aller. Après, je ne sais pas, voilà, ce qui a été traité, quel était le souci principal. Donc, à partir de là, je ne sais pas s'il y a un second traitement qui suit, voire un troisième ou pas. Maintenant, voilà, si le traitement est fini par rapport à ce qui était visé par ce traitement, eh bien, un petit changement d'eau de 15 à 20% et puis vous pouvez mettre les bactéries. C'est ça. Alors, eh bien, écoute, résistant, je vais quand même te répondre. Tiens, tu veux mon téléphone pour un rendez-vous chez moi, tu verras. Ben, je te rappelle, résistant, c'est qu'on est en confinement.
Hein, et c'est qu'il n'est pas question que j'aille chez toi, ni que toi tu viennes chez moi. Je te rappelle simplement, hein, parce que des fois que tu ne verrais pas ce qui se passe ni à la télé, ni à la radio, parce que tu es tellement bouché que tu vois rien du tout, c'est un peu lourd quand même, hein, voilà, ça sert à rien. Je veux bien te croire que ton eau est claire et que tu n'as pas tout ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ne commence pas avec des couilles, un bon conseil, parce que là tu vas te planter grave. Hein. J'en ai connu de trop qui ont fait ça. Le problème, tu vois, résistance, c'est que des gens comme toi, vous croyez avoir la science infuse et vous croyez que la nature peut tout régler. Eh bien, c'est faux. La nature ne peut pas tout régler. La preuve en est, c'est que les océans sont tellement blindés de plastique qu'on retrouve du plastique dans tous les poissons qu'on pêche. Il y a tellement de métaux lourds dans les rivières, etc., qu'on retrouve les poissons qui sont blindés de métaux lourds. Mais les médecins vous diront quand même de bouffer du poisson parce que c'est bon pour la santé. Ben, sauf que, bon, tu risques des autres complications. Mais c'est tout. Et c'est comme ça pour tout. Hein? Mais dès que tu mettras des coilles dans ton bassin naturel, hein, qui ne pourra pas digérer ça parce que c'est impossible qu'il le digère, eh bien, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui sont des sommités mondiales au niveau de la gestion des grands ensembles, je veux dire, au niveau des lacs, etc. Hein, et je peux te dire que dans les années 70, hein, on a vanté le pouvoir des plantes dans la filtration des grands ensembles de lacs, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les années 80, ils ont dû abandonner tout ça et réintroduire des carnassiers pour limiter les populations parce que les plantes ne pouvaient rien y faire. Ça ne fonctionne pas. Une fois qu'il y a de la surpopulation dans un bassin, t'es mort. Ou bien tu filtres, ou bien tu es mort. Ça ne peut pas fonctionner. En plus, il y a les risques de faire crever les poissons par manque d'oxygénation par temps chaud. Parce que les plantes, elles donnent de l'oxygène la journée parce qu'elles font de la photosynthèse, mais la nuit, elles produisent du CO2 et ça va créer des catastrophes au niveau de la qualité de l'eau. Et si un jour tu as de l'eau verte, ce qui risque de certainement d'arriver, là encore plus grave, parce que là, la masse biologique de l'eau verte est tellement gigantesque que la production est tellement grande de CO2 qu'il n'y a plus quasiment d'oxygène dans le bassin. Et c'est comme ça qu'on attrape ce qu'on appelle l'eau qui tourne ou l'acidification de l'eau. Tout simple. Mais tout ça, évidemment, tu peux pas comprendre parce que tu crois que tu as la science infuse parce que tu connais un bassin et que tu n'as jamais rien vu d'autre dans ta vie. Et crois-moi que je peux te démontrer par A plus B. Mais le jour où ça se plantera chez toi, résistant, ce qui m'énervera le plus, hein, c'est que tu viendras pas faire de ta gueule pour te dire que tu t'es planté. Parce que tous ceux qui se sont plantés n'ont jamais venu dire qu'ils se sont plantés. Oui, ça va, ça va. Maintenant, le chapitre est terminé. Tentation au fructing. La première fois, ça fait toujours cet effet-là. Je te vois t'enfoncer dans ton fauteuil, mais t'inquiète, c'est normal. La première fois, papy, ça fait toujours cet effet-là, mais après, on s'habitue. Ça va, d'accord. Écoute Arnaud, je t'emmerde, hein, moi. Hein. Écoute, déjà que tu me dénigres de mon écran là avec ta tranche de cake là tondue. Ouais. Hein. C'est tout propre. Voilà, écoute, c'est bon, je t'aime bien, allez. Bon, alors vous commandez des belles plantes aquatiques qui livrent en France. Eh ben, écoute, il y avait Jourdan qui, mais en France, ça va être compliqué parce que les délais c'est 15 jours. Pour l'expédition des plantes, elles n'arriveront pas vraiment en bon état. Donc les plantes, pour le moment, pas facile. Alors, Tony, les jardins d'eau sont déjà commandés, sérieux et rapides, grand choix. The Templation, les jardins d'eau. Ben voilà, tu as la réponse à ta question. Eric Perrault, bonjour à tous. Combien de types, espèces de bactéries pour les 3 bouteilles BioGrow, y a-t-il un effet sur la faune constatée? Triton, élevage de cuve, Daphni, Artemia ou d'eau douce? Alors, pour ce qui concerne, en tous les cas, les tritons, j'en sais rien. Moi, j'ai des salamandres, elles vont très bien. À mon avis, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la faune dans le bassin. Si ce n'est que ça leur enlève peut-être un peu de nourriture, c'est tout. Mais il y a combien de types d'espèces de bactéries pour les 3 bouteilles, Eric? Tu as une idée? Ouais, alors il y a un mix entre 5 et 8 familles de bactéries. Mmh. Des bactéries, elles sont des bacilles, c'est le plus tôt utilisé, c'est la famille. Il y a une centaine de variations et on a créé le mix pour être très très fort. Pour voir une différence entre le niveau biologique
l'ammonia nitrate et en fait pour le bois de c'est quoi le bois de doux de la terre là. Des bouts de fond. Ah voilà, bouts de fond. Désolé. Hein. Non, mais écoute, si tout le monde parlerait aussi bien le néerlandais que toi tu parles le français. Et voilà quoi. Remarque, we can do it in English, hein, si tu préfères. Mais non, ouais. Mais ouais. Alors, non, en fait, c'est ça. Alors, il y a plusieurs types, alors. C'est ça. Alors, il y a ici, j'ai perdu la ligne, tiens. J'ai vraiment perdu la ligne. Hein. Salut papy, il est beau Kojak. Qu'en penses-tu? LOL formidable les gars. Bonjour. Ouais, après, c'est notre ami Eric ça qui a dit ça. Peut-on connaître le tarif du Biogro? Alors le tarif, ça c'est pour Arnaud et Corentin. Oui. Ouais, alors au niveau des prix de vente publique, pour le 25 000, on est à 49,95. Mais attention, pour les Français, c'est pas le même prix, c'est 49,95. Ouais. Pour le 128, 79,95, et pour les Français, 79,95. Mmh. Et 139,95 pour les Français. Pour le 250 000. Pour les Suisses, c'est pareil, mais c'est en euros. Mmh. Pour les Suisses, c'est pareil, mais c'est en euros. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Alors, ça, c'était pour le tarif. Récupérateur d'eau, peut-il faire le taf comme Cubi? Le récupérateur d'eau, en général, c'est plus petit. Mais bon, il faudra le bricoler, parce que rentrer des tapis dedans, c'est pas simple. Donc, il faudra enlever le dessus. T'as déjà fait essayer le récupérateur d'eau, Quentin? On a déjà fait, oui. Des clients qui l'ont fait, ça fonctionne pas mal, c'est plus petit, donc tu dois en mettre plusieurs. Après, tu défends la taille du bassin. Il y a des récupérateurs d'eau de 600 litres, hein, rectangulaires, donc tu sais, tu en mets deux pour un bassin de 12 000 litres, c'est très bien. Hein. Ouais, bien sûr. Coucou Jampankoy, j'aurais besoin de la cubie de 1000 litres, déjà complet pour ma filtration. Possible de récupérer ça après le confinement ou il faut passer commande avant? Peu importe, avant ou après, il peut passer commande, on a tout en stock pour faire que ce soit, on a des filtrations toutes faites, multichambres avec upflow classique, avec tapis, céramique, on a aussi des cubis en stock qu'on utilise beaucoup, et donc voilà, on peut préparer déjà. On peut préparer, donc voilà, à un moindre budget, on peut faire un cubis avec passe-parois 110 et autres, on peut le préparer avec les tapis et l'aération, il n'y a aucun problème, il suffit de nous passer commande et... Dès que c'est prêt, on l'envoie, non, vous venez chercher après confinement. Alors, de carrage 62, combien de temps doit-on faire jeûner l'écueil après un traitement au FMC 50? Faire jeûner après? Ouais. Après, il n'y a pas de nécessité de faire jeûner, c'est pendant le traitement qu'on nourrit pas. C'est ça. Bah après, bon, de toute façon, après le changement d'eau, on fait. En redémarrant, évidemment, doucement pour s'assurer... De nouveau, comme je le conseille à chaque fois, par les tests gouttes, ammoniaque et nitrite, que la biologie reprend bien. Mais après, au plus vite, les coils vont pouvoir remanger, au mieux c'est parce que ça va les renforcer. Ouais. Alors, Tony, Elliot, beaucoup d'industries agroalimentaires en utilisent et en revente moins cher que GSB, enfin, par chez moi. C'est le cas. Faire attention avec ça parce que, bon, l'industrie agroalimentaire... Ou bien, on a aussi pu voir des gens qui utilisent, comme par exemple, de l'éparcille. L'éparcille, il n'y a pas une bactérie là-dedans. Hein. C'est un support bactérien. Ça n'a strictement rien à voir avec des bactéries. Donc, ça ne va pas aider grand-chose. Alors bon, l'industrie agroalimentaire utilise certainement d'autres types de bactéries, etc. Et qui sont pas spécifiques au bassin. Donc, faites quand même attention à ce que vous allez mettre dans votre bassin sans... c'est à vos risques et périls, hein, ce genre de petite expérimentation. Tu en penses quoi, Eric? Oui, j'ai vu, ouais, il y a plein de choses sur le marché. Et quand on teste ça à notre labo, là, on trouve déjà plusieurs fois, malheureusement, des produits qui semblent être une structure du lait. Et, ouais, c'est rien à voir avec des micro-organismes qu'on fait dans notre bactérie. Mmh. Et c'est rien à voir. Absolument. Donc, faites quand même bien attention à tout ça. D'ailleurs, le plus simple,
c'est de dire, voilà, Eric, je crois que tu seras d'accord avec moi. On utilise le biogros depuis longtemps en aquarium. Un aquarium, c'est un endroit qui est très confiné, évidemment, qui est très petit volume, qui est beaucoup ouais. plus délicat qu'un bassin. Donc, voilà. si on met n'importe quoi là-dedans, ça va très vite dégénérer. Hein. Donc, ouais. C'est pour ça qu'aquariophilie est un bon exercice, si on veut, pour avant de commencer un bassin. Mais bon, quoique bassin a quand même des grosses différences, mais là, on peut voir aussi l'utilité de l'utilisation de bactéries, etc. Ouais. Pour ça, il faudrait que tu m'envoies une fois, tiens, Eric, un petit échantillon. Je vais essayer sur mon aquarium parce que j'ai jamais essayé au fond, tiens, finalement. J'utilise mes propres soupes, là, tiens, tu seras curieux. Alors, on s'organise, on en parle après. Ouais, alors, bon, avec 500 litres, j'ai assez. Hein. Hein? Mais j'envoie un camion, hein, il n'y a pas de souci. Un camion pour mon aquarium, ça va être compliqué. Non, mais j'en connais dès qu'ils doivent se marier parce qu'ils connaissent mon aquarium. Voilà. Alors, Deliot, non, ça c'est rien. Maître Jedi, vous avez dit bonjour. Combien de vannes de purge pour un cubi et en quel diamètre? Idéalement, c'est bien de mettre deux vannes de purge, c'est-à-dire mettre de 50 à 63, c'est bien. Ouais. Ou bien alors une grande en 110, hein, pourquoi pas. Voilà, en 110, mais ça va prendre plus de place au niveau des forêts, c'est plus que le cubi, au niveau des coudes. Et... C'est ça, il faut surélever le cubi alors pour pouvoir passer le tuyau. Et le plus, mais ouais, en 110, ça c'est top, hein, l'aspiration va être très forte. Donc ouais, c'est bien pour les vivants. Ouais, évidemment, c'est plus cher. Voilà. Alors, on peut poser une question bactérie hors biogros. Bien sûr, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Hein. Il n'y a pas de limite avec les bactéries. Hein. Alors, Elliot, vous êtes situé où, Japan Koi? Alors, nous, on est situé à Lezan-Hainaut. Donc, c'est en Belgique. C'est entre Tournai et Mons, à quelques kilomètres de la frontière française. Voilà. Voilà, ouais, bah, frontière française qui est fermée, on le rappelle. Voilà, pour le moment, elle est fermée. Donc, c'est pour éviter les déplacements. Déjà qu'il faut une attestation, etc. Il faut que papa et maman vous tiennent la main pour rouler en voiture, et puis vous arriverez quand même à la frontière, vous ne pouvez pas passer. Donc, mais rassurez-vous, de l'autre côté de la frontière, vous êtes toujours en Belgique, parce que tant qu'il y a des frites, vous êtes en Belgique. Voilà, donc... pas loin de la frontière française, entre Mons et Tournai, donc facile à trouver. Alors Derek, après le traitement contre les vers, est Supertap remettre des bactéries quand? Question pour Corentin. Je pense que tu dois faire ton changement d'eau 4 jours après, hein, le traitement anti-vers, et puis tu peux directement réensemencer en bactéries, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça, bien sûr. Le Tony, je parlais des bactéries juste de contenant 1000 litres. Bien sûr, pas de produit. On ne voit plus qu'est-ce que c'était. On va y remonter. La bactérie, juste de contenant 1000 litres. Pas de produit. Je comprends pas la question, excuse-moi. Alors, Maréchal Bruno, très bonne émission en direct et surtout de bons conseils. Merci à toi, Maréchal. C'est un peu le but, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Des DJ, il y a des DJ, il y a de l'ambiance aujourd'hui. Il y en a toujours, hein, de l'ambiance, hein, je pense. Vous avez compris que particulièrement, voilà, en forme, papy. Vas-y, DJ Félix, monte le son. Écoute, il y a des gens qui sont confinés. Moi, je suis finement con, donc forcément, ça commence à taper sur le système. Et il y en a tout à fait marre, un petit peu, de ne pas avoir de bricots sous la main parce qu'il me manque des produits qui n'ont strictement rien à voir avec le bassin, mais qui me bloquent totalement, et ça commence à me galérer grave. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans certaines régions, c'est catastrophique pour les EHPAD, que nous on appelle les maisons de repos, et que déjà à certains endroits, il y a 30% de nos aînés qui sont décédés, ce que je trouve absolument catastrophique. Et bon, voilà, peut-être que ça va aider... à payer moins de pensions, mais je trouve que c'est pas une solution, et voilà, et j'espère que
tout ça finira un jour, mais je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette misère, et c'est vraiment une catastrophe pour nos anciens, dont je fais quasiment partie. Alors, on n'a pas eu l'occasion de le dire. Ben non, voilà, je te coupe l'herbe sous le pied. J'aurais voulu votre avis sur un produit Aquatic Science, plus précisément le produit Aquapur. Ben, je n'ai pas d'avis précisément sur le produit Aquapur. Ben, je ne connais pas. Non, on ne connaît pas, on n'utilise pas. Je connais, il y a des produits qui sont très bons, hein, comme par exemple le BioBooster, le Bactogène, et tout ça sont des produits qui sont corrects, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, Aquapur, je ne connais pas non plus, jamais utilisé, donc je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Tony, désolé pour toi. Alors, Elliot, est-il possible de commander un cubi complet avec vanne de vidange, tapis japonais, pour une expédition en France? Aucun problème, mais il faut rentrer en contact avec nous, via la page Facebook JapanCoy ou avec nos adresses mail, le numéro qu'on trouve sur Internet en général. Hein, donc, à ce moment-là, on peut rentrer en contact avec nous, Elliot, et on l'aiguillera au mieux et on verra un peu pour finir son projet. Il n'y a pas de nécessité d'attendre le confinement parce que c'est sa question suivante. Donc, nous, aucun souci à ce niveau-là par rapport au confinement. Bon, et les expéditions chez JapanCoy de filtres Cubi, particulièrement pour la France, sont aussi rapides que vous pouvez même pas imaginer. Ça va à la même vitesse que les masques, donc vous avez le temps. Si on recevait les masques aussi vite qu'on expédie les produits, on aurait moins de soucis, Patrick. Ah ben écoute, je pense aussi que ça ira un peu plus vite, mais enfin bon, on ne sait jamais. Alors, DDG, est-il bon de faire geler les koi de temps en temps? C'est bien de leur laisser une période un peu à jeun quand la température est au plus bas en hiver. Maintenant, en pleine saison, je ne vois pas trop l'objectif, non? Non, je pense pas. Faire geler les koi, c'est bien en hiver, oui. Ils ont besoin d'un hiver parce que bon, ils sont ralentis, etc. Donc, mais bon, je veux dire, dans la belle saison, non, il faut qu'ils prennent des forces et n'oubliez pas qu'ils restent quand même pendant une longue période sans manger en hiver. Donc, s'ils sont mal nourris pendant la belle saison, eh ben, ça va pas s'arranger pour la suite. Hein. C'est la même chose comme un être humain, finalement. Hein. Si vous mangez pas de manière équilibrée, etc., eh bien, à un moment donné, vous allez être ouvert à toutes les maladies parce que vous serez en état de faiblesse, tout simplement. C'est la même chose pour les poissons. Alors, Elliot, les carpes amours se nourrissent de quoi en bassin? Est-il possible d'introduire dans 10 mètres cubes ou c'est trop petit? Les carpes amours, c'est des poissons qui grandissent très vite, déjà d'une part. Deuxièmement, qui sont de très gros pollueurs. Et ils se nourrissent de la même bouffe que les autres koi. Donc, le problème là-dedans, c'est que bien souvent, on met des carpes amours ou des carpes herbivores, comme on les appelle, qui sont plus du tout herbivores dès qu'on leur donne des granulés. Donc, ça sert à rien, c'est des gros pollueurs. Maintenant, si vous avez une carpe amour, c'est un problème, mais bon. Sachez que ça fait des très grosses pollutions, une carpe amour. Donc, de Karachi, que pensez-vous du permanganate de potassium comme déparasitaire? Alors là, je vais répondre là-dessus. Hein. C'est une misère totale, le permanganate de potassium. C'est extrêmement dangereux, d'une part, à utiliser. D'autre part, ça a un effet alors absolument incroyable sur la croissance des poissons. Donc, si vous faites des cures de permanganate, vous risquez tout simplement de couper la croissance des koi, en particulier. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée du tout. Le permanganate de potassium, c'est du kalium, ça c'est pour Eric. Hein, kalium, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter d'utiliser. On utilise ça vraiment dans des cas extrêmes, mais ouais, certainement pas tout le temps, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas une bonne solution à utiliser. Donc, Sébastien Courvatin, bonjour, j'ai 15 koi entre 35 et 45 cm, combien de quantité de nourriture faut-il à peu près par jour? Déjà, ça dépend de la nourriture. Courvatin. Oui, ça dépend de la nutritive de la nourriture, de un. De deux, ça va dépendre aussi de la température de l'eau, donc qui est liée à l'activité du poisson. Et de trois, il faut calculer la quantité de nourriture à peu près par jour. Il faut l'espacer déjà. Je conseille de l'espacer en plusieurs fois plutôt que prendre une grosse distribution.
Et la règle générale, eh bien, il faut avoir une nourriture adaptée à la température de l'eau, donc en fonction du taux de protéines qu'il y a dedans. Et ensuite, il faut que tout soit mangé en à peine 2 minutes, 3 minutes, il faut plus rien à la surface. Si ça traîne en surface plus de 5 minutes, c'est qu'il y a eu beaucoup de trop distribué. Le poisson n'ayant pas d'estomac, juste un long tube digestif avec un petit élargissement qui sert entre guillemets l'estomac. Voilà, il ne peut pas ingérer des quantités énormes en une fois, il vaut mieux les passer sur toute une journée en plusieurs petites quantités. Alors, une question pour Arnaud, tiens, de Elliot. Connais-tu la nourriture Rocossi Freddy? La nourriture Probit? Non, oui, je connais de nom, hein, évidemment, mais on ne l'a pas utilisé, donc je ne sais pas. Je ne sais pas donner vraiment d'avis sur la nourriture. Eh oui, ben écoute, je suis content parce que il est quand même un peu déstabilisé là, la nourriture au Rocossi Freddy, c'est pas tous les jours qu'on te la fait celle-là. Ah, la probite, hein, pas la probite évidemment. Donc, de force, à quel moment le nénuphar commence à pousser? Ah ben, il devrait commencer à pousser. Parce que ça dépend plus de la température qu'autre chose, hein. Yves Keller, salut à tous. Désolé pour revenir sur la question. Biogros et Bactogène, sont-ils complémentaires ou en concurrence? Non, ils ne sont pas en concurrence, certainement pas. Donc, vous pouvez utiliser les deux, mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt, mais enfin, soit, si maintenant tu as... En tout cas, nous, au niveau du biota, Patrick, ce sont des produits qui sont fort complémentaires parce que Biogros a un spectre d'action qui est beaucoup plus large. Ouais. Donc, nous, moi, j'ai quelques clients ici au magasin qui utilisent les deux produits en complémentaire. Donc, ils se font en fait une base au niveau du filtre pour la maintenance avec le biota et ils mettent le Biogros en plus aux doses qu'on a dit tout à l'heure. Le résultat est vraiment intéressant. Ouais, seulement, le problème, c'est qu'ici, il parle de Biogros et de Bactogène. Oui, mais je me permets de... Ouais, d'accord, ok. Donc, en fait, il y a... On le connaît pas vraiment, et donc c'est pour ça que... Voilà, mais donc, pour moi, le Bactogène a une action qui est plutôt juste nutrifiante, mais je peux me tromper parce que je connais pas assez bien le produit. Là, on va peut-être être clair avec Eric. Hein, Eric, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Il faut... Arrêtez avec ces histoires de bactéries nitrifiantes. Les bactéries nitrifiantes, Nitrosomas, ne fonctionnent qu'en laboratoire. On peut les maintenir en vie pendant 20 minutes. On ne peut pas les acheter. Donc, c'est impossible de les acheter. Donc, ce qui veut dire qu'on peut mettre toutes les conditions pour qu'elles apparaissent, ce que fait très bien Biogros, mais on ne peut pas les acheter. Donc je te l'ai dit en début de live, et maintenant tu fais semblant que c'est toi qui le dis. Mais non, je fais pas semblant. C'est toi qui a parlé de bactéries nitrifiantes. Il y en a pas. Donc Bactogène n'en a pas plus que quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est une question de mots. C'est rien d'autre. Mais dis en plus, mais t'as déjà oublié. Allez hop, quelle est la meilleure nourriture en rapport qualité-prix? Pour de la bonne croissance et une faible pollution de l'eau, selon vous, tous? Bah, déjà, Eric, t'es pas spécialiste en nourriture. Ah non. Merci, en tout cas. Alors, bonne croissance et faible pollution, nourriture, qu'est-ce que tu conseilles? Pour avoir un bon trade-off, donc, entre le taux de croissance et la faible pollution de l'eau, je partirai en tout cas sur la Malamix Food, puisqu'elle elle donne vraiment une bonne croissance avec un taux de pollution qui reste tout à fait raisonnable. Au niveau de la Nijo Fast Growth aussi, qui se donne seule et qui reste très très raisonnable dans les taux de pollution et très bonne dans les taux de croissance. Et puis sinon, les gammes Ikari, bien connues. C'est ça. Voilà, donc les taux de pollution, évidemment, c'est difficile à quantifier. Hein, ça dépend de l'assimilation des poissons, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la nourriture et on serait parfois surpris sur le résultat de certaines nourritures qui ont un nom incroyable et qui finalement polluent beaucoup plus que les autres parce que la pollution ne se voit pas nécessairement. Cela dit, ça peut se résoudre assez facilement.
pour autant qu'on a une filtration qui est équilibrée et qui est en adéquation évidemment avec le volume du bassin et le nombre de poissons qu'on a. C'est tout. Et ça. La quantité de bouffe va faire qu'on pollue plus ou moins. Et puis la façon de donner aussi de la bouffe, parce que, hein, par exemple, si on donne la quantité, une quantité de X en une seule fois sur une fois par jour, et qu'on donne la même quantité en 10 fois par jour, c'est pas la même pollution au final. Donc, et c'est pas la même assimilation non plus au final. Donc, il y a tellement de choses qui interviennent là-dedans que c'est compliqué. Voilà. Alors, Deliot encore, lorsqu'on démarre un bassin, est-il indispensable d'ajouter des bactéries? Alors non, il n'est pas indispensable de rajouter des bactéries, mais il faut savoir, et bon, je crois qu'Eric, on a parlé au départ, c'est le cycle de nitrique, le cycle de l'azote. Hein, donc ouais. Le cycle de l'azote se fait de façon naturelle, donc mais ça prend du temps, c'est tout. La seule chose qu'on peut espérer en ajoutant des bactéries, c'est d'accélérer le cycle de l'azote, c'est tout. Voilà. Mais voilà. Après, n'oubliez pas non plus que si vous mettez rien dans votre bassin, ben ça va être compliqué à le démarrer, parce que bon, c'est bien d'ajouter les bactéries de chez Eric, mais quand il y a quelque chose à manger dans l'eau, hein, parce que s'il y a rien dans l'eau, ça va être compliqué. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre quand même de temps en temps des poissons dans votre eau pour avoir de la pollution. Ou bien alors, on n'a pas assez répété, si vous ne prenez pas d'antibiotiques ou de médicaments, qu'elle vous empêche d'uriner dans votre bassin, ce qui peut activer le système aussi, puisque alors à ce moment-là, vous allez introduire évidemment un peu de nourriture dans le bassin, etc., pour le faire de même. Alors, Renzo Argentino, avec la bioserapone, vous conseillez quoi en volume pour 7 mètres cubes bien peuplés? Bon, l'idéal, c'est de travailler toujours avec 10% aussi. Hein. Je vais dire, c'est vrai que ça, en question de surface active pour les bactéries, c'est un peu plus haut que le tapis, mais pas grand-chose de différence. Donc, je partirai aussi sur les 10%. Donc, pour moi, avec, pour le avec Bioserapone, je pars sur zéro avec ça, parce que tout simplement, il faudra aller voir un peu l'étude qu'a fait Esprit Coy, c'est-à-dire l'animateur d'Esprit Coy, et il a fait un comparatif avec les différents médias de filtration. C'est certainement pas un truc, média de compétition, donc... Ça veut dire qu'en partant sur 10%, il ne s'est pas se trompé, quoi. Je veux dire, s'il veut travailler avec la bioserapone, voilà. Ce qu'il faut aussi, c'est faire bien ARL filtre, etc. Nous, on est habitués au tapis japonais, on est des grands amateurs de tapis japonais, on ne répétera jamais assez. Maintenant, le bioserapone, on peut avoir aussi des bons résultats avec, hein. Souvent, on met en finition d'une filtration après les tapis. C'est ça, en complément, c'est très bien. Donc, mais bon, en principal, je le déconseille. Parce que bon, en fait, à un moment donné, les bioserapones, il y a plein de trous dedans, ça va se colmater d'une façon ou d'une autre. Et quand c'est colmaté, ça veut dire qu'il va y avoir un développement d'un aérobie dedans, puisqu'il n'y aura plus d'apport d'oxygène. Donc, quand tous les pores sont bouchés, et le jour où vous allez secouer tout ça, eh bien, vous allez larguer des anaérobies en quantité. Si vous rincez mal tout ça, eh bien, ça devient méga dangereux. Alors, Johan Villard, j'ai oublié de sa question, mais comme je ne sais pas remonter, je remets la question, hein, ça sera beaucoup plus simple. Ouais. Alors, Deliot, faut-il stabiliser les paramètres non au démarrage en fonction de la qualité de notre eau? Ben, les paramètres, en principe, sur l'eau du robinet, sauf quelques exceptions qui ont une eau extrêmement douce, mais les paramètres devraient être bons dans 99% des cas, pour parler français. Quand on remplit avec l'eau du robinet, normalement, ça doit le faire. Vous avez déjà eu des cas où il fallait vraiment rétablir les qualités d'eau? Japan Koi? Non, pas ça. Bien sûr, pas récent. Ben, y a des endroits, hein, où ça peut arriver, où il y a des taux de nitrate qui sont déjà très importants dans l'eau. Je pense, par exemple, en Alsace, certaines régions, près de Tsungo, là, ils ont vraiment une eau extrêmement dure avec un GH hallucinant. Ça peut arriver. Il y a d'autres régions, une région près de Liège,
où il y a de l'eau tellement douce qu'elle est, elle est bonne pour les discus, c'est pour vous dire que c'est exceptionnel aussi, mais c'est vraiment très 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 rare de trouver. Alors, la plupart du temps, l'eau du robinet fonctionne à 99%, il n'y a pas de problème. Alors, de Chagoy, Matala, meilleur que le tapis japonais, Corentin? Matala, c'est un bon support bactérien aussi, on n'a jamais travaillé avec celui-là. Pour moi, le tapis japonais a une meilleure densité. Au niveau de la surface colonisable, le tapis japonais est un peu plus Matala. Après, Matala n'est pas mauvais de ce que je connais, mais on n'a jamais travaillé avec ça. Tu sais, quand on va au Japon, on Patrick, que j'ai été plus d'une fois aussi, ce que tu vois partout, c'est ces tapis japonais de fibres fines. Le matala est un peu plus épais au niveau des fils. Plus facile à manipuler peut-être le matala, mais au niveau de la colonisation bactérienne, pour moi le tapis est un peu devant, je pense, mais j'ai jamais vu d'études comparatives, donc j'ai pas trop m'avancé. Le matala fonctionne très bien avec, si on l'utilise, il y a quatre densités différentes, hein, c'est quatre couleurs différentes de matala. Et il faut utiliser les quatre densités. Si on le fait dans le bon ordre, ça devrait pas trop mal marcher. De là à dire que c'est meilleur que le tapis japonais, je ne dirais pas. Mais c'est certainement pas un mauvais média, donc voilà. Je pense que c'est bien. Voilà. C'est le même principe en tous les cas. Alors, Bruno, j'ai des koi et des poissons rouges. Est-il préférable de donner de la nourriture de surface ou de fond? Alors, pour les koi, c'est sûr que c'est mieux de la surface de fond. Mais alors, pour les poissons rouges, ça reste quand même des poissons qui sont de la même famille. Hein. Ça peut aussi convenir des poissons de la bouffe de fond. Maintenant, ouais, la famille des cyprinidés, après, il faut savoir que le koi, enfin la carpe, en général, est un poisson qui, de base, s'alimente sur le fond. C'est pour ça qu'il a une bouche vers le bas. Maintenant, depuis des années, on a habitué ces poissons à manger à surface pour qu'on puisse les contempler. Ils n'en vivent pas plus mal. Voilà, maintenant vous donnez sur le fond, ils sont très heureux aussi, mais vous en profiterez simplement moins. Voilà, de Cindité, après avoir traité avec Omnipure, est-il nécessaire de mettre du Malmix 17 après quelques semaines plus tard? C'est toujours bien, c'est toujours intéressant pour fortifier les poissons et les aider à se remettre du traitement. Et puis de manière générale, comme je le répète toujours, le Malmix 17, c'est une fois tous les trois mois, été comme hiver. Et franchement, j'ai des retours de clients qui utilisent le Malamix maintenant depuis un an ou deux et qui le dosent toujours bien, qui le mettent au bon moment. Et il y a même des poissons, certains m'ont expliqué que certains poissons qu'ils avaient depuis une dizaine d'années avaient toujours été très riches, n'avaient jamais eu vraiment un bon mucus. Et que depuis qu'ils appliquaient le Malamix, maintenant ces poissons qui avaient toujours été riches attraper vraiment une belle couche de mucus, donc les effets sont là aussi, je pense, sont à donner. Alors, de Johan Viard, ce coup-ci, on va la retrouver, tiens, voilà. Bonjour, je n'arrive pas à faire remonter durablement mon KH, cela peut-il venir d'une suroxygénation? Alors, le KH, Eric, tu vas être d'accord de le voir avec moi. Le KH a une particularité. En fait, le KH, si on prend un aquarium et on met de l'eau dedans, avec une dureté, par exemple, de 10, hein, de KH, hein, et qu'on ne fait rien. On ne met pas de brassage, on ne met rien du tout, on ne fait rien. Et qu'on va mesurer le KH tous les jours, on va voir que le KH, il va descendre jusqu'à zéro. C'est tout à fait normal, ça fait partie du cycle de l'azote. Maintenant, il y a deux choses pour lesquelles le KH va descendre. D'une part, la façon naturelle de descendre, ça c'est une chose. Et d'autre part, s'il y a un apport de système acide. Alors, l'acide va précipiter le KH, c'est-à-dire va faire en sorte que le KH va encore diminuer. Et quand est-ce qu'on a ce genre de phénomène? Tout simplement quand il pleut, parce qu'ici, en Europe, en général, on a des pluies relativement acides, donc ce qui fait que ça va faire diminuer très rapidement le KH. Donc, il n'y a pas moyen, en finalité, de maintenir durablement le KH, il faut l'ajuster en permanence. La meilleure façon de l'ajuster, c'est de mesurer le KH de votre eau de robinet. Et si vous faites des changements réguliers d'eau, vous allez pouvoir maintenir un KH à une hauteur suffisante. Ça pose pas vraiment de problème. Ou bien alors, il faut travailler évidemment avec des KH+, etc. Quelque chose à rajouter, Eric? Non, c'est bien ça. Des fois, on voit qu'avec bouteille 2, ça aide pour...
pour donner un peu de vitesse, mais ouais, il faut, c'est nature, hein, alors. Ouais. C'est la nature qui veut ça. Quelque chose à rajouter, monsieur Corentin, ou Renaud? Pas plus, mais j'ai plus rien à dire, donc je ne fais qu'écouter tes jolis dires. Voilà. Alors, Dehan, bonjour, je n'arrive pas à voir ce que je viens de dire. Lorenzo, je m'en vais. Bonne soirée à toi aussi. Alors, de Bernard Bastien, merci à Arnaud et Corentin pour le produit anti-algues que je suis venu chercher hier. Super résultat en 24 heures. Merci à tous. Ben voilà, tant mieux, hein. C'est un produit à base. Patrick, qu'on va bientôt refaire sortir et représenter peut-être même avec toi. Ouais. Voilà, comme quoi il n'y a pas que le biobooster qui fonctionne. Non, mais bon, ça va faire descendre plus vite le KH, je vous préviens tout de suite. Donc il faudra le remonter après. Donc les produits orange, meilleurs que les. Celui qu'on veut stabilise le KH. Ah. On ne fait pas chuter. Ok, nickel alors. Les produits des oranges meilleurs que les diables rouges. Ah, je comprends pas. Que les diables rouges. Ah, que les diables rouges. Bah, je sais pas. Hein, avec pas ça. Le football, les diables rouges, c'est l'équipe nationale belge. Hein. Mais je connais bien, malheureusement. Oui, ils sont plus des Hollandais, non. Ah, ben écoute, tu sais bien que la Belgique et la Hollande. Ça a toujours été une compétition, hein. Ouais. Et bon, bah, la Belgique et la France aussi d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, ouais. Mais maintenant, les Diables Rouges, bah, ils sont en confinement, il n'y a plus de football du tout. Bonjour, mes égouts est loin de mon tambour. Comment ramener l'eau usée du rinçage jusqu'à l'égout? Avec un tuyau. Ouais, peut-être une pompe de relevage aussi. Hein. Hein, donc c'est simple, hein, tu fais un puisard dans lequel tu mettras tes eaux usées et puis une pompe qui va pomper. Une bonne pompe broyeuse de relevage, hein, parce ouais. Que une pompe classique, hein, ça ne va pas aller longtemps. Bah, une pompe du Sarmat, comme on disait chez nous dans le temps, bon évidemment ça ne va pas le faire longtemps, il faut toujours, tout est toujours l'avenant, hein, il faut avoir une bonne pompe, et une bonne pompe, bah, ça a un prix. Ce ne sera pas les pompes des bricots du coin à 2 balles, on va dire. Ça ne le fera pas très longtemps, en tous les cas, et puis voilà, quoi. Mais c'est comme pour tout, hein, on va dire comme ça. Hein. Alors, Deliot, la bande de fond avec aérateur, c'est efficace? Je sais que, Patrick, t'es pas fan. Non, je suis pas fan, tout simplement, parce qu'après, quand il y aura un souci avec la membrane, ou que c'est colmaté, ou que c'est n'importe quoi, bonne chance pour aller la réparer. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en dites, là, les petits jeunes? Exactement le même que toi. C'est le même, moi un aérateur, je le mets à part d'une bombe de fond. Une bombe de fond, c'est une bombe de fond. Un aérateur, c'est un aérateur. C'est tout parce que pour l'intervention après, j'ai encore eu cette semaine, voilà quelqu'un qui m'en parlait. Il me disait, mon tuyau japonais devait un petit peu moins après 2 ans. Il l'a sorti pour le nettoyer. Il l'a remis, hop, c'est reparti, ça redonne de nouveau. Avec une bombe de fond, avec aérateur, ça va être la combinaison de plongée pour aller. Pour aller la nettoyer, il n'y a pas le choix, quoi. Donc, c'est une excellente idée en théorie, mais moi j'ai quand même encore un doute sur la pratique dans le long terme. C'est ça. Donc, je suis en train d'analyser ici les chiffres qu'on me donne, que nous, ça c'est beau. Bah, de Cédric Alves qui nous donne paramètre 4 jours, 18 degrés, oh. pH 7,5, GH8, KH6, ammoniac 0, NO2 0,1, NO3 5 mg litre. Aujourd'hui, pH 7,5, ça c'est le même pH, GH8, KH5, hier il avait un KH de 6, NO2 0,2, NO3 plus petit que 5. Bah, c'est très bien, il n'y a rien à changer pour l'instant. De toute façon, ton cash, il faut savoir, il y a plein de valeurs idéales qui sont données, mais je crois que c'est très difficile à garder. Pour moi, il y a une valeur certainement qu'il faut jamais aller en dessous pour le cash. La dureté carbonatée, ne la faites jamais descendre en dessous de 3. 3, c'est vraiment la limite minimum inférieure. Après, ça devient extrêmement dangereux quand il fait chaud et orageux, parce qu'on peut avoir l'eau qui tourne, et avoir une baisse très très rapide du pH. Le KH, c'est ce qui maintient
Le cage, c'est ce qui maintient le pH stable. Évidemment, c'est mieux d'avoir un cage de 7. Hein? Mais bon, c'est toujours c'est un idéal, mais maintenir un cage de 7, c'est compliqué. Donc, pour beaucoup de régions. Donc, essayez au moins de ne pas descendre en dessous de 3, parce qu'en dessous de 3, vous rentrez dans la zone rouge. Là, ça devient extrêmement dangereux. Et je pense que surtout là, c'est là que beaucoup de gens font d'erreurs et puis qu'ils se retrouvent avec des grosses blagues quand il fait chaud et voilà où on peut avoir tout d'un coup l'eau qui tourne, qui s'appelle aussi l'acidose en fait. Hein. Alors Deliot, c'est sûr qu'entre la France et la Belgique, il y a un peu de concurrence. Mais non. Est-ce qu'il y a de la concurrence, ma bio? Ne rassurez-vous, nous on sera champions d'Europe et du monde après, hein, puis c'est tout. Après, bien sûr. Mais bon, je ne suis pas partisan, j'en ai rien à secouer du football, donc il n'y a pas de problème. M'en fous. Ça roule. Du moment qu'on bat les Anglais et les Français, c'est bon. Ben les Anglais, ça a été. Hein, bon, les Anglais, les pauvres, ils en dégustent un peu. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura encore du football, mais en tous les cas. C'est mal parti pour l'Angleterre et encore plus mal parti pour les États-Unis, mais enfin, pas sur le football, bien sûr. Bon, on vous souhaite le meilleur en tous les cas, et puis on verra bien comment que ça évoluera, hein, et avec le temps. Après, ils ont voulu le Brexit, on verra ce que ça donnera aussi, hein, parce que sortir du confinement avant le Brexit, ça va pas être possible, à mon avis. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, bonne chance. On verra. Comme disent les Américains, God bless you, hein, terminé. Hein. Alors, pour Bernard Sébastien, après combien de temps peut-on refaire un traitement Biogro? Ça, comme je l'ai dit, hein, donc l'idéal, c'est d'avoir la phase de démarrage avec la dose complète et puis de maintenir la phase de maintenance une fois par mois, demi-dose. Après, vous pouvez en faire, comme Eric l'a dit, à la limite tous les jours. Ça ne pose pas aucun souci. C'est juste, c'est impossible de le surdoser. Après, voilà, un peu de bon sens sur simplement l'échéancement de la mise du produit. Et donc, voilà. Ben voilà. De toute façon, Eric, il sera très content si on l'utilise tous les jours. Hein. Il n'aura rien contre, lui. Non, mais juste dire qu'il y a un moment, c'est impossible de faire le plus, alors. Ouais. C'est ça que Arnaud a expliqué. Il n'y a pas peur d'être trop biogros dans la peau. Bon, c'est bien. Bon, écoute, de toute façon. Patrick, on a Chagoy qui dit merci à Eric. Biogro est un produit bluffant. Je suis fan désormais. Ben écoute, il n'y a pas que lui. Ben, je suis fan aussi. Hein, je l'ai déjà expliqué. Et puis voilà. Ben, je crois qu'on arrive à la fin de la liste ici des questions. En tous les cas, je ne peux que vous recommander le Biogro. Ben, je remontre ici un petit peu mon bassin. Ben voilà, il est en arrière ici, je sais pas si on sait voir grand chose, ben voilà, on voit juste un... Bon, il y a la bouquille qui se promène là, hein, et quelques autres poissons qui montent le bout de leur nageoire, hein, donc on voit quand même une nette différence. Mais il y a toujours ce reflet vert ici, et c'est normal, puisque bon, ben, disons que le traitement n'est pas terminé au niveau des UV, donc il y a encore un peu d'eau verte, mais ça va passer, ben, vous aurez l'occasion... dans les prochains lives, de voir encore mon bassin et de voir comment il évolue. En tous les cas, moi, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur pour sa participation, Eric. Merci, avec grand plaisir. Et puis, ça a été un grand plaisir aussi, hein, de se voir. Nous, il y a longtemps qu'on devait se voir, mais ça s'est jamais fait parce que, bon, il y a eu le confinement qui nous a un petit peu bloqués. Voilà, prochaine fois. On s'est vu par intermédiaire de Skype. Bon, Arnaud et Corentin, ben écoute, Corentin, on a marre de nous voir, quoi. T'es content qu'il y ait le confinement pour plus nous voir. Non, mais je suis content que Corentin a trouvé une solution de reclassification, puisque demain il peut s'installer comme coiffeur. Donc, bon, je te félicite pour ta nouvelle coupe, Arnaud. J'aime bien. En plus, ici dans la serre, il fait fort chaud. Par contre, il m'a fait des petites taches noires qu'il va falloir encore récupérer, mais. À part ça, ici dans la serre, il fait fort chaud, donc tu vois, à partir de demain, je vais être bien. Moi, j'appelle ça. Mettre un petit peu de Biogro en lotion, juste pour que ça soit bon, là. Moi, je dirais que de toute façon, c'est une coupe de circonstances, hein, puisque maintenant, tu as une tête d'œuf, alors on est à Pâques, n'est-ce pas? Donc, voilà.
je peux être mon petit Patrick. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir, en tous les cas, comme nous, à avoir fait, à, d'avoir suivi ce, cette émission en direct. Moi, je vous dis merde, à très très bientôt. On aura certainement encore plein de choses à se dire et à voir. Ensemble, Arnaud et Corentin, il y a encore plein de petites choses à montrer. Ouais, bien sûr. Voilà. On avance quand même que le confinement se terminera. On avait plein de projets qui sont tous avortés maintenant parce qu'on voulait montrer plein de choses, hein. Comment construire un bassin en polyester, des choses comme ça, mais ça viendra. Un peu de patience, hein, comme diraient nos politiciens. Bon, voilà. Moi, il me reste à vous dire, eh bien, à très très bientôt sur la chaîne Aquatech Nobel. On va juste jeter un petit coup d'œil pour voir combien de personnes vous avez suivi ici. Vous étiez 712 à suivre notre émission en direct. Bon, 712, c'est pas mal, hein. Moi, il me reste à vous dire, eh bien, à très très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous serez informé des prochaines émissions en direct. Moi je vous dis à très très bientôt. Ne soyez pas sages. Eric, encore merci à toi. Merci. Arnaud et Corentin, encore merci à vous aussi pour votre partage personnel. Et puis à très très bientôt. Salut à tous. Salut à tous. Salut.